Voilà, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Je vais téléphoner maintenant au service de police de la ville de Liège, le service de police de la circulation de la ville de Liège, pour avoir une explication sur, enfin, ou une idée de quand est apparu ce fameux panneau. Attendez un instant, il faut que je retrouve le numéro. Le B21A1. C'est-à-dire dans un rond-point ou dans un îlot directionnel passé à droite et avec une flèche remplie, parce que les Français, ils n'ont pas une flèche remplie. Donc on va voir si... Bon, quand on ne sait pas, il faut s'adresser aux experts. On va voir s'ils sont experts. Alors, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Ah, un instant. Sur Skype. Je vais faire un numéro d'appel. Contact. Alors. 04 228 67 66. Je vais peut-être les déranger. Enfin, on va voir, hein. On sait jamais. Ça sonne. Ça sonne. Très occupé. Il est 15h33. Nous sommes le vendredi 25 du 7 2014. Ils ont du travail, apparemment. La police de la route est présente sur tout le territoire belge. Elle est répartie en 9 unités provinciales et 26 postes de circulation. Bon. Ah, je suis sur le poste commando. Pour des raisons personnelles, je ne vais pas aller à Malmedy, donc je vais couper ici. Oups. Et je vais appeler un autre poste, hein, parce que à Liège, ils sont... Ah oui, mais ils sont en train de nettoyer la brocante, hein. Très important. Donc, poste à Rouen. Prends note. Un instant. 04. 364. Zéro trois trente. Et on rattaque. Nous sommes à Rouen. Sont tous sur la route. Hein. Poste circulation d'avant. Ah, bonjour madame, je me présente, je m'apprends, je fais une recherche pour le moment sur la date d'introduction d'un panneau de Oui, je vous circulation. écoute. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà. Vous faites une recherche sur la date d'introduction d'un panneau de circulation. Oula! Alors là, attendez, Ah. ça je vais passer mon collègue. Là, je Mais ne oui, saurais mais pas du moi, tout vous aider. je cherche un spécialiste. Ah oui, ben voilà. Merci. Oui, de rien.
Oui, allô, inspecteur Gabriel, bonjour. Oui, bonjour monsieur Michel. Je vous téléphone, j'ai essayé de téléphoner à Liège parce que moi je suis de Liège, mais personne ne répond. Ils sont probablement occupés à d'autres tâches. Oui. J'ai un problème avec d'autres amis. On se pose une question sur la date d'introduction du panneau B21A1, c'est-à-dire le panneau qui fait tourner à droite autour d'un rond-point, enfin bon, autour Oui. d'un îlot directionnel. En quelle année? Moi, j'ai trouvé qu'en France, ce panneau a été introduit en 1963, mais en Belgique, je n'ai pas trouvé la référence de quand ce panneau. Et pourquoi voulez-vous ça? Eh bien, exactement. Je vais vous expliquer parce que j'ai une photo à Neuchâteau, enfin une carte postale, et sur cette carte postale, il y a ce fameux panneau, et on recherche intensivement à dire en quelle année ce panneau a été. Enfin, en quelle année cette photo a été faite? Donc, moi, je tourne dans les années 60, 63, 61, 62. Oui. Alors, j'ai aussi remarqué que sur le sol, on avait le marquage. Vous voyez le marquage un petit peu. Moi, je ne retrouve plus le mot là. Qui est allongé parce que quand on le voit de la voiture, ça apparaît plus court. Un marquage. Un îlot directionnel ou... L'écriture stop. Oui. C'est allongé, mais quand on est dans la voiture, on voit le stop, en écrit stop. Enfin bon, Écoutez, de toute façon, moi, ça remonte avant mon instruction, Ah oui, même voilà, si je suis rentré dans les années 70. c'est ça le problème, parce que moi j'ai vu que par exemple en France, ils ont en 60 et 63, ils n'ont pas le même panneau, la flèche n'est pas remplie. Alors j'ai également remarqué sur cette photo qu'il y a une R4. On dit une 4L, quoi. Oui. Et la 4L a été introduite en 61, elle était produite en 61 par les Français. Oui. Et bon, comme ça se situe à Neuchâteau, en Ardennes, je ne suis pas certain que la personne qui a acheté la voiture l'ait achetée en 61, donc on serait plutôt dans les années 62, 63. Il y a d'autres éléments, mais enfin bon, question de panneaux de circulation, j'ai trouvé les informations sur les sites français, mais moi je cherchais les informations sur les sites belges pour savoir quand on avait introduit ce fameux panneau. Est-ce que les Belges l'ont fait avant les Français ou les Français l'ont fait avant les Belges? C'est ça. Le B21A1, ça existe en Belgique, ça? Ah, écoutez, ça je ne saurais vraiment pas vous dire. Hein. La flèche bleue, enfin fond bleu, la flèche blanche, inclinée Oui, vers. ça je vois bien de quoi vous parlez, mais. Non, mais je veux dire, ce panneau, ce numéro-là, c'est bien un numéro qui est aussi utilisé en Belgique. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc moi je recherchais quand le B21A1, c'est-à-dire passé par la droite, autour d'un îlot ou n'importe quoi, a été introduit en Belgique. Vous avez 30 secondes, je prends une petite documentation. Ah, c'est bien gentil. Merci. Je pense pas que dans le cadre de la route actuelle, ça soit noté. Qu'on a mis ce fameux panneau, parce que c'est très important pour savoir quand la route a été refaite. On cherche. Je ne pense, enfin, je ne sais pas ce que vous compulsez comme bouquin. Là. Si c'est le code de la route, je ne pense pas que ça soit dedans. Enfin. Allô? Je vous écoute, je suis là. Alors, nous parlons bien du signal rond. Rond, fond bleu, avec une flèche remplie sur le bout de la flèche. Enfin, sur la... Qui veut dire passer à droite autour du. Sens giratoire obligatoire, que ça veut dire chez Voilà, nous. c'est ça, Et ce sont trois flèches blanches, c'est correct? Bah, ici, il n'y en a qu'une, hein, parce que il y a un petit îlot directionnel qui est au milieu de la rue, et les gens doivent passer à droite, évidemment, puisque à gauche, c'est à gauche. Donc il y a une flèche, le bout de la flèche est pleine.
Oui, c'est difficile par téléphone. Vous avez un cercle blanc, malgré tout, tout fin autour du signal? Ah, voilà, parce que moi j'ai la photo en noir et blanc. Bon, mais c'est quand même un signal connu, là. C'est la flèche blanche, inclinée vers le bas. Donc la pointe est inclinée vers le bas. Il y a un cercle, à mon avis, je ne sais pas s'il est blanc, parce que comme c'est une photo en noir et blanc... Mais ça doit être blanc, fond bleu et flèche blanche. C'est un signal d'obligation, de toute façon. Oui, la flèche est blanche, le fond est bleu, mais alors tout autour du panneau, je ne sais pas si c'est pas rose, rouge, ouais, ça doit être rouge, je ne sais pas ce que c'est. Rouge, ça m'étonnerait. Mais ce n'est pas blanc comme la flèche, hein. Bah, c'est la bête flèche, quoi, je veux dire. Oui, la bête flèche, comme on voit encore partout maintenant. Mais oui. Ça, c'est le D1, c'est le sens obligatoire. Le D1, Delta 1. Ah oui, et alors pourquoi est-ce que les Français appellent ça Ah mais ça, il ne faut pas comparer leur numérotation avec la nôtre. Ah bon? C'est pas européen. Ah non. C'est parce que quand vous m'avez dit B1 tout à l'heure, B1, ça ne correspond pas du tout à un signal d'obligation, c'est un signal d'interdiction. Qu'est-ce que j'ai marqué? Parce que, attendez, je vais noter, qu'est-ce que j'ai noté? Le B21. Le B21, oui, c'est encore... A1. Non, ça ne correspond pas, chez nous, ça ne correspond pas à ça, du tout. C'est D1. Donc je dois chercher quand le panneau D1, mais alors, il doit avoir une variante, parce qu'il y a passé à gauche et passé à droite. Ici, c'est passé à droite. Si c'est le simple signal flèche blanche sur signal rond, fond bleu, oui. C'est le D1. Mais si la flèche est courbée dans un sens ou dans l'autre, mais toujours une seule flèche, c'est toujours le D1. Si vous avez une flèche, deux directions obligatoires, là, vous êtes dans le D3. Oui, mais ici, j'ai une flèche inclinée vers le bas. La pointe de la flèche est plus basse que le haut de la flèche, donc elle pointe vers le bas. Oui. Vers la droite, je vais dire, hein, dans le rond. Enfin, c'est pas un rond-point, c'est un petit îlot. Oui, la flèche en réalité, elle est rectiligne, la flèche. Oui. Mais le panneau est incliné. Oui, vers le bas. Donc, c'est pour indiquer le sens obligatoire. Ça, exactement. C'est une obligation de suivre la direction indiquée par la flèche. Et voilà, c'est la disposition des lieux qui détermine la position de la flèche. Oui, parce qu'on peut la tourner dans l'autre sens aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, ça, c'est le D1, Delta 1. Delta 1, donc Delta 1, mais alors la question c'est, quand est-ce qu'on a fait ce panneau? bonne question. moi, depuis tout petit, j'utilise le code de la route de 1975. Maintenant, il est plus que probable que cette flèche était déjà dans le code de la route de 68, et peut-être même avant, c'est un signal élémentaire, je vais dire. Oui, donc moi, j'en suis rendu à 62-63, vous voyez. Oui, l'idéal, ce serait de retrouver un ancien code de la route de ces années-là. Voilà. Mais les historiens vont se mettre en route. Mais c'est quand même incroyable. Sur une simple photo, ce qu'on peut se poser comme question... Ah oui, tout à fait, oui. Alors voilà, c'est parce que c'est une photo, une carte postale de Neuchâtel. Neuchâtel en Ardennes, pas Neuchâtel ici, près de Liège. Que j'ai scanné, parce que je suis originaire de Neuchâtel. Et alors, il y a une discussion qui se met là-dessus pour savoir en quelle année ça a été fait. Alors, on a discuté des bagnoles, des voitures. Il y a une 4L. Alors, la 4L a été produite à partir de 61. Mais ça m'étonnerait qu'en 61, il y ait quelqu'un à Neuchâtel qui avait déjà une 4L. Donc, on est après 61, donc en 62. Et voilà, vous voyez, ça devient débile, quoi. Enfin, pas débile, mais très intéressant. Oui, enfin, mais ça, je ne saurais pas vous aider. Plus que ça, vous dire, voilà, c'est ce signal-là, mais voilà, l'historique du signal... Que je retrouve un vieux gendarme. je pense qu'un vieux gendarme qui a connu le premier D1, je doute que vous puissiez en retrouver un. De toute façon, plus en service, ça c'est sûr. Ah, mais certainement, ils sont plus en service, mais je peux... Mais c'est dans les vieux codes de la route, en fait, qu'il faut regarder. Les vieux... Je vous remercie quand même de m'avoir informé que c'est un D1 et pas un B21. Oui, parce que des B, nous, déjà, on n'en a pas, donc...
Ouais, donc c'est quand même incroyable que l'Europe, qui normalise tout, hein, même la longueur des cornichons et des carottes, la courbe, enfin bon. Ah, mais en tout cas, on a harmonisé les signaux, mais pas la numérotation. Mais les signaux sont harmonisés. Mais c'est complètement débile quand même, hein, franchement. Enfin, mais on ne saurait pas. Hein. Vous imaginez qu'il faut, il faut changer tout. Alors il faut créer un code de la route européen, mais ça, on n'y est pas encore. On vit en Europe, hein. Bon. Oui, tout à fait, mais bon, il y a des nouveaux, je veux dire, tous les deux ans, etc. Mais même dans le Benelux, c'est pas harmonisé, donc... Oui. Bah oui, j'ai vu les différents panneaux, la flèche. Les Français, c'est une flèche qui n'est pas remplie au milieu. Enfin bon, on va pas faire une dissertation là-dessus, mais c'est quand même assez surprenant. Mais les nouveaux panneaux qu'on installe partout maintenant dans l'Union sont harmonisés, hein, pour que tout le monde sache, oui, hein, connaisse la signification de tous les panneaux. Mais bon, on n'a pas nécessairement remplacé. Vous savez qu'il y a encore des carrefours, il y a des anciens stops, etc. alors que ça n'existe plus peut-être depuis 25 ans. Quoi. Vous savez qu'à Liège, au carrefour de Bavière, vous avez entendu parler de ça? Oh non, pas du tout. Je ne travaille pas sur les petites routes. Le 21 juillet, il y a eu un mort parce que... Enfin, on dit que c'est normal, c'est vrai. Il y a eu un non-respect de la priorité de droite, mais ça faisait plus d'un mois que les feux sont au clignotant. Oui. D'où bon, tout le monde passe n'importe comment. Il faut aller voir ça, le carrefour de Bavière, si vous connaissez. C'est près de la rue Rançonnet où il y a les pompiers. Oui, je vois. Boulevard de la Constitution, oui. Ben, il faut pas aller sur la foire à Liège. Hein. Vous allez là, la soirée, vous allez voir le Gymkhana, les scouts. Oui. Ben, là, on applique le code de la route, c'est tout. Oui, bon, il y a un mort quand même. Ben oui. Ça clignote. C'est qu'il y en a au moins un qui n'a pas respecté le code de la route. Oui, mais c'était justement par lui. Ah oui, c'est souvent le cas. Le mort, enfin. Je parle du mort. Hein. Oui, ben, c'est souvent le cas. Bon, enfin bon. Voilà, monsieur, je suis désolé, je ne sais pas vous aider davantage. Commandant, capitaine, comment... Pardon ? Vous êtes commandant, capitaine ? Oh, il n'y a plus de commandant, il n'y a plus de capitaine maintenant. Ah. Commissaire, ah oui, commissaire, oui, c'est juste. Si vous voulez. Oui, on a tout normalisé, c'est vrai. Voilà. Allez, merci beaucoup, vous avez... Oui, au plaisir, monsieur, au revoir. Merci de m'avoir renseigné. Oui. Au revoir, bye bye.